Chers amis, nous sommes toujours dans le discours de Jésus après la scène, au chapitre 14 de l'évangile selon saint Jean, où Jésus, entrant dans sa passion, prépare ses disciples à son départ et leur révèle les secrets de son cœur. Trois apôtres posent dans ce chapitre des questions qui nous valent de précieuses réponses. Thomas demandait le chemin, Philippe demande à voir le Père et s'entend répondre « Qui m'a vu a vu le Père ?» Jude, enfin, demande « Seigneur, comment se fait-il que tu doives te révéler à nous et non pas au monde ?» Cette question fait suite à la parole de Jésus que nous avons contemplée hier avec l'abbé Henri au verset 21. « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui-là qui m'aime. Or, celui qui m'aime sera aimé de mon Père, et je l'aimerai, et je me manifesterai à lui. » Comment se fait-il que tu doives te manifester seulement à nous et non pas à tout le monde ? S'écrie Jude. Belle question que nous partageons peut-être. Pourquoi Dieu ne se manifeste-t-il pas aux hommes qui l'ignorent, à tous ceux qui vivent loin de lui dans les ténèbres de l'ignorance ou du péché ? Pourquoi Dieu ne se manifeste-t-il pas à nos proches, à nos collègues de travail, à nos dirigeants politiques, aux puissants de ce monde qui pourraient servir les pauvres plutôt que de se faire la guerre ? Belle question. Donc, à laquelle Jésus répond de manière un petit peu étonnante. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, mon Père l'aimera, nous viendrons à lui et nous ferons chez lui notre demeure. À première vue, Jésus ne répond pas vraiment à la question et semble continuer sur sa lancée en reprenant à peu près l'affirmation précédente que nous avons vue hier. Mais en réalité, plusieurs nouveautés apparaissent par rapport au verset 21. Je me contenterai de souligner la plus importante. « Je me manifesterai » devient « Nous viendrons à lui et nous ferons chez lui notre demeure. » Le Christ ne reviendra pas seul, il sera accompagné de son Père. « Nous viendrons à lui. » Et non pas de manière passagère, mais pour demeurer, « Nous ferons chez lui notre demeure. » Cela fait écho au verset 17 où Jésus disait « Le Père vous donnera un autre paraclet pour qu'il soit avec vous à jamais l'Esprit de vérité. » Ce sont donc les trois personnes divines qui viennent faire leur demeure chez le disciple. La Trinité Sainte vient habiter l'âme de celui qui aime Dieu. Par l'inhabitation divine, les trois personnes se façonnent en quelque sorte un domicile permanent dans le cœur du disciple. Dieu vient demeurer en nous. Nous comprenons ainsi que notre vie sur la terre n'est pas seulement une marche vers les nombreuses demeures de la maison du Père, mais déjà le Père vient faire sa demeure en nous. Oui, la vie éternelle commence dès ici-bas pour celui qui aime Dieu. Quel rapport, me direz-vous, avec la question de Jude ? Comment se fait-il que tu ne te manifestes pas au monde ? Eh bien, c'est clair. Si l'amour trinitaire vient habiter dans le cœur du disciple, c'est que Dieu compte sur nous pour le manifester au monde. Cette demeure est tout intérieure, certes, et cependant elle doit se voir, que votre lumière brille devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et glorifient votre Père qui est aux cieux. Cette présence de la Trinité dans l'âme ne peut pas rester cachée. Dieu se manifeste à travers ses saints qui irradient le monde de la lumière divine. Comment ne pas penser à Charles de Foucault ou à Mère Teresa qui ont tant marqué le monde, qui ont tant marqué nos contemporains, bien au-delà des frontières de l'Église. C'est là toute la mission du chrétien qui continue celle du Christ, manifester l'amour de Dieu au monde. Et nous l'avons vu précédemment, cet amour trinitaire se manifeste d'abord par la charité fraternelle. Aujourd'hui, persévérons donc dans nos efforts, dans la charité fraternelle, mais sans oublier que l'amour est d'abord l'amour trinitaire qu'il nous faut recevoir de Dieu. Nous souvenons que l'homme ne vit pas seulement de pain. Mettons-nous à l'écoute de la parole de Dieu. Oui, heureux celui qui écoute la parole de Dieu et qui la garde. Saint Jean nous le dit dans sa première épître. Celui qui garde la parole de Dieu, c'est en lui que l'amour de Dieu
est accompli. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, mon Père l'aimera, nous viendrons à lui et nous ferons chez lui notre demeure. Chers amis, que la parole de Dieu nous transforme et que le Père, le Fils et l'Esprit Saint habitent en nos cœurs. Amen.